Les réserves de pétrole qui ont nourri les progrès du XXe siècle se tarissent doucement. En attendant que la production d'énergie puisse être assurée totalement par des sources renouvelables, il est difficile de se passer du nucléaire en France, où 75% de notre électricité en dépend. Question : que faire des déchets qui, pour certains, restent actifs de plusieurs dizaines à quelques millions d'années ? Une solution, pour limiter le risque sur les générations futures, consiste à les stocker sous terre à grande profondeur. C'est le projet CIGEO, homologué par le Parlement en 2006. L'ANDRA a publié des appels d'offres européens pour étudier ce projet avant d'en décider la réalisation. Le CEA, associé à différentes entreprises, étudie un point particulièrement délicat, les scellements. Les galeries et les scellements doivent être totalement étanches et invulnérables aux accidents et mouvements géologiques. Ces ouvrages seront construits dans les galeries d'accès aux zones où vont être entreposés les déchets. Ils seront réalisés dans les galeries horizontales, les descenderies et les puits. Pour cela, deux ingrédients, le béton et l'argile. Les galeries doivent pouvoir être fermées de manière extrêmement résistante et stable dans le temps. À l'intérieur, des scellements en argile gonflante sont bloqués par des massifs en béton. L'argile est là pour servir de barrière d'étanchéité entre le site du stockage et l'extérieur. Au contact de l'eau, l'argile va gonfler et former un bouchon totalement étanche et imperméable. Cette bentonite du Wyoming a la capacité d'absorber 5 à 6 fois son volume en eau, lorsqu'elle gonfle librement comme ça. Le choix de l'argile, son conditionnement, son comportement, tout est scientifiquement étudié. L'objectif, c'est de compacter ce matériau pour obtenir un échantillon qui va nous servir à faire des tests hydromécaniques. Donc on va quasiment doubler la densité du matériau. Et voilà ce qu'on obtient. Une parfaite galette. Et ici, vous avez la même chose, d'une forme différente. Ce pellet a été fabriqué avec un procédé industriel. Donc là, on va faire un mélange de ces pellets avec de la poudre pour avoir le maximum de densité. L'objectif étant de trouver la meilleure formulation pour l'application qu'on veut obtenir et pour pouvoir transposer à une échelle industrielle. Et hier, William est arrivé à 1,622 et on a dépassé l'objectif fixé. C'était 1,62, de 2 millièmes. Le béton, ça a l'air simple. Comment est-ce qu'on fait du béton? Eh bien, on mélange un certain nombre d'ingrédients, des granulats, du sable et un mélange eau et ciment, le ciment étant un produit courant industriel. Le béton, typiquement, a un pH de 13,5. Et l'argile n'aime pas du tout le pH de 13,5 parce que cette basicité diminue ses propriétés de gonflement. Comment réduire le pH? On a réalisé un certain nombre de suspensions de pâtes de ciment de différentes compositions, de manière à sélectionner la composition qui va nous donner la caractéristique chimique qui nous intéresse, c'est-à-dire un pH le plus bas possible. Les mesures se passent dans une boîte à gants. Elle est inertée en CO2, donc pour éviter l'acidification des échantillons en question. Voilà, on a un échantillon là qui va se stabiliser autour de entre 10,70 et 10,80. Donc on est en dessous du pH 11 qui était demandé dans le cahier des charges de l'ANDRA. Comment formule-t-on le béton au 21e siècle? Eh bien, à pratique, donc on se retrouve avec un logiciel dans lequel on peut faire varier les quantités des produits en entrée. Et le logiciel calcule les propriétés du matériau. Et donc il nous a permis de définir une formulation théorique de départ qu'on a pu ensuite tester en réel. Du béton virtuel au vrai béton, des essais sont nécessaires. Le béton réalisé est soumis à de véritables tortures. Voilà, c'est un matériau qui est hyper résistant en compression. Et... Voilà. Vous connaissez le presse-orange, mais connaissez-vous le presse-béton? Allez, c'est parti. On doit monter à 700 bars.
C'est ce qu'il y a de mieux pour faire du jus de béton. Voilà, environ 5 millilitres. Un petit peu plus même. Donc on va le filtrer. On fait une mesure de pH. Et derrière, ensuite, on peut faire aussi les mesures de chromato. Les essais en laboratoire, c'est bien joli. Mais qu'est-ce que tout cela donne en vraie grandeur ? Une maquette en pleine échelle a été construite près de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Cette structure en béton de 36 mètres de long et de diamètre intérieur 7,60 m va nous permettre de construire notre scellement à la pleine échelle. Impressionnant! La première étape du scellement est le coulage du massif en béton autoplaçant, mise au point au laboratoire. Ces trémies de transfert nous permettent d'apporter les matériaux jusque dans les trémies de la machine. On aperçoit en dessous la bande transporteuse de la trémie jusqu'à la vis d'Archimède. La finalité du projet, c'est de prouver aux autorités de sûreté qu'on est capable de remplir une galerie de 7,60 m de diamètre de façon industrielle. Et ça, ça n'a jamais été fait. Alors, après, l'ANDRA dira si les résultats sont conformes. Si toutes les réponses sont positives, la construction sera engagée en 2020 et la phase industrielle pilote démarrera en 2025. Ensuite, quand toutes les phases seront validées, le stockage pourra commencer et les galeries seront scellées hermétiquement avec de l'argile. Stop.